tomber encore contre une équipe qui est une des meilleures au monde, avec des joueurs qui jouent dans pratiquement les meilleurs clubs au monde, avec un des meilleurs joueurs de l'histoire. Donc voilà, on sait que ça va pas être facile, mais comme l'Espagne, comme contre la Belgique, comme contre la Croatie, de toute façon, tous ces matchs-là sont de la même difficulté. Donc voilà, on va donner le maximum encore pour essayer de créer encore la surprise, puisque personne ne nous attendait ni en huitième ni en quart. Maintenant, on a encore un match important pour rentrer encore plus dans l'histoire. Et on est très motivés pour réussir notre challenge. Mais on respecte beaucoup le Portugal, on les a observés. Ils sont à leur niveau, des attaquants de très haut niveau. Ils savent aussi qu'on est une bonne équipe, je pense. Et ça va être un match qui va être équilibré, qui va jouer sur les détails comme en huitième de finale. Thank you. Mr. Tegnanti, please. كتعرفوا على ان هذه المباريات فيها واحد النوع ديال الحساسيه خاصه ما بين المغرب والبرتغال اللي تلاقينا معهم جوج مرات فزنا عليهم الور شنو هي العقليه ديال اللاعب انه كيبان له المربع الذهبي فاش العقليه ديال اللاعب المغربي وهو غادي ينفتح على المربع الذهبي لا كومبيتيسيون tout le monde analyse tout le monde observe les points forts les points faibles nous bien sûr qu'on a des points faibles comme toutes les équipes, le Portugal peut-être un peu moins, mais comme l'Espagne, comme la Belgique, comme la Croatie, c'est des équipes de top niveau qui ont l'habitude de jouer ce genre de match. Nous, comme l'a dit Reda, on se focalise sur ce qu'on sait faire, sur comment on va pouvoir leur poser des problèmes. On a bien analysé nous aussi et on va essayer de mettre un plan en marche pour pouvoir créer la surprise. Après, comme je l'ai dit, se focaliser trop sur le Portugal, ça peut nous poser des problèmes. On regarde surtout ce qu'on sait faire, ce qu'on fait bien, et on essaye de l'améliorer à chaque match pour être de mieux en mieux à chaque match. Mais aujourd'hui, de toute façon, le Portugal est favori. On ne va pas revenir dessus. C'est une équipe qui est amenée à vouloir gagner la Coupe du Monde, comme les Espagnols. Assalamualaikum, Walid et Ahmed. Waleed, I'll ask the question in English. It's Shaima Khalil from the BBC. Tahib and Tajim Bal Arabi after? Yeah, Liberty. Okay. You were the fourth African team to make it to the quarterfinals after Senegal, Ghana, Cameroon. It's a great legacy. You're the first Arab team to get this far to the quarterfinals. We've spoken to your fans in the stadium, outside the stadium, from across the region. They were celebrating in the Arab world. They were celebrating all over the world. How does this make you feel? What is your message to your fans, especially in the region? And what's your biggest challenge against Portugal? No, the first I'm proud, me and my country and my team, to make Morocco in this tape. But yes, you represent first Moroccan people, because one country after I know for the origin, for the religion, you have our big people also. And now you have the first team, Arabic people play quarter final, but we are African, the first. And I think, and you feel in the social media, and you feel the positive vibe. You have not only now one country behind you, you have one continent, you have Arabic people also is with you. And I think the fans is come to support you in Tumama Stadium, inshallah, for we make history together. And that is very important for us, but we don't forget the first we play for us and for my country. But we feel this positive vibe. Lot of people, Arabic people, African people, and Moroccan people. Lot of people pray for us, alhamdulillah. Thank you. Please, photographer, you can leave, please. Coach Walid? Yes. Over here, Mark Leeson from Reuters. I wanted to ask you about your injuries, sir, about Agüero, about Saïss, about Amrabat, and if you are to miss a player like Agüero, how big a blow is that going to be for you? Yes, in the beginning of the competition, a lot of injury, a lot of people sick. We play a lot of game, and you are not 100% of the team. You can play with 100% power. But I'm proud for that because nobody see Moroccan with 100% player. He can play with his possibility. Now we have Agüero, who is waiting tomorrow, inshallah.
if he can play or not. But what I say in the beginning of competition, we have 26, a lot of people, lot of team. He don't have his squad completely. And Morocco, he have this same problem. We need to find solution. If you have another player, he play in this position, he can give his best for the team. That is important, is the spirit, not the player. I get also, of course, he's very important player in the defense. But we have Yamik, you have Banoun, you have Dari, can make the job, inshallah. Coach, il est spectaculaire le 360. Qu'est-ce que je trouve le halal badani de la Ibn Jahizi et Diarum, grâce à un mouvement à l'achira la Boumia, au Chine, à l'Espagne, au Bénis Bala Reda, qu'est-ce que tu as le mondial, le mondial de Tianidia Kouba de Russia, qu'est-ce que par rapport aux joueurs et à l'état de fatigue et les blessés, je le répète depuis le début de la compétition, on ne va pas se cacher. On n'est pas là pour se plaindre. Une compétition, quand tu veux aller loin, quand tu veux la gagner, il faut compter sur tout le monde et il faut que tout le monde soit prêt. On a un staff médical, je l'ai dit la dernière fois, et on a une fédération qui travaille très bien pour que les joueurs puissent jouer cette compétition à chaque fois à leur maximum. On a des moyens de récupération. Aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est justement d'envoyer un signal, c'est que peu importe qui va rentrer, et on va donner le maximum. Et on ne se cherchera pas d'excuses qu'il manquait un tel ou un tel. Donc voilà. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, si c'est Naïf qui peut jouer, il jouera. S'il ne peut pas, ce sera un autre. Et celui qui rentre donnera le maximum. On est venu en mission ici. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont débuté la compétition blessés. C'est ce que j'ai dit. Ce qui est magnifique, c'est qu'on n'a pas vu le Maroc encore à 100%. Tous nos joueurs, ils ne jouent pas à 100%. Mais dans l'état d'esprit, ils sont à 100%. Donc voilà, ça montre la marge de progression qu'on a et l'état d'esprit qu'ont les joueurs pour donner le maximum pour le pays. Walid Reda, salam alaikum. Soufiane Rachid, Khana Tariadia. Walid, je vais vous parler de la tactique, de la technique, de la walo. Mais sur le dialy, il y a Rissala. Rissala, je suis fait le mondial. Fernando Santos, dans le Mouzamar Sahafi, il قال على انه اللعابه ديال المغرب عارفينهم على انه السلاح ديالهم هما عائلتهم والشعب اللي موراهم. حنا غنتحدث على واحد الفئه اللي كتبع المنتخب الوطني هما الناس ذوي الاعاقه لي زونديكابي. في المغرب شفنا بزاف ديال لي فيديو والبارح شفنا واحد السيد في عمره 72 سنه ما كيشوفش. جاو هو ومراته من المغرب باش يتفرج في ليكيب ناسيونال ومراته كدير له لو كومونتير ديال شنو واقع في التيران كتوصف له شنو واقع. شنو هو الميساج ديالك لهذه الفئه اللي عطيتها واحد الاسبوار وعطيتها واحد الامل كبير باش هما يعيشوا هذه اللحظه الاستثنائيه في التاريخ ديال البلاد كامله. رساله هذا سؤال ليك ولا رضا؟ ميرسي. De toute façon, moi j'ai toujours vu une équipe nationale, elle doit servir elle doit être un porte-drapeau, on va dire, déjà, sur le terrain, mais elle doit représenter son peuple et elle doit donner des émotions et elle doit rassembler. Donc voilà, l'objectif pour nous, au départ, bien sûr, c'est de gagner des matchs. Mais on sait très bien que l'image est importante pour pouvoir rassembler tous les Marocains autour d'un projet, autour de choses positives. Donc le fait qu'avec les résultats, avec l'ambiance qu'il y a, et quand on sent l'énergie positive qui nous pousse, forcément, eh ben, les gens s'identifient à nous, et c'est tant mieux. À un moment donné, on était divisés autour de l'équipe nationale. Si on a pu rassembler les Marocains autour du football pour une période donnée, mais je pense qu'il n'y a pas... Ça vaut plus que tout, plus que l'argent, plus que même les titres. À partir du moment où on a réussi ça, c'est quelque chose de bien. Mais c'est ce que je dis aux joueurs, il ne faut pas s'arrêter là. C'est bien, on a rendu des gens heureux, mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas venu que pour ça. On n'est pas venu que pour ça. Je l'ai dit depuis le début de la compétition, nous on est venu pour gagner des matchs, pour aller le plus loin possible. Et si en plus ça permet justement qu'il y ait des gens, ça leur donne de l'espoir et qu'ils soient positifs, et ben tant mieux, parce que c'est aussi l'objectif. Mais nous, on reste focus sur le terrain, et le reste, et ben, comme j'ai dit, ces ondes, on le ressent, et c'est tant mieux pour le public marocain. Non, ben, tu me connais, moi, de toute façon, le nuage, moi, je ne suis pas encore monté dans le nuage, ça, c'est sûr. Donc, voilà, on essaie de donner... On essaie de changer la mentalité, je le répète, c'est bien ce qui se passe à l'extérieur, on rend des gens heureux, mais on n'oublie pas que nous, on est dans la compète. Et qu'aujourd'hui, nous, ce qui nous importe, c'est de gagner le match de demain pour entrer dans l'histoire, pour aller en demi-finale et continuer à rêver. Donc voilà, ce qui se passe, c'est très bien. Je pense que les joueurs, plus tard ça se terminera, mieux ce sera pour nous et pour le peuple.
Mais l'objectif, c'est de leur faire comprendre justement que pour le moment, ouais, c'est bien, mais on peut encore faire plus et mieux. Et à partir du moment où ils vont penser comme ça, on continuera à être difficile à battre. Le jour où ils vont commencer à se satisfaire de ce qu'on a fait, eh ben, ça veut dire qu'on n'aura pas progressé. Donc le nuage, nous, c'est ce que je leur dis, et même pour moi ou même pour eux, on n'y est pas encore, nous, dans le nuage, on n'a rien fait. On a juste déjoué quelques pronostics de quelques universités ou de quelques logiciels qui donnaient la Belgique en huitième de finale et qui donnaient je ne sais pas quelle équipe en quart de finale. Aujourd'hui, ça veut dire que toutes ces statistiques de XG, de possession, de Harvard, ils ont fait des tirages et ils ont toujours eu raison qui allait gagner la Coupe du Monde. Nous, on est là pour embêter tout ça, pour dire qu'en fait, dans le football, c'est peut-être un des seuls sports où tout est possible. Et les joueurs l'ont bien compris, hein, attention. Hein. Et quand je dis ils ont faim. Hein. Croyez pas qu'on est juste satisfait d'être en quart. مروى حلمي from BBC Arabic. I'm gonna ask in Arabic. سؤالي هل الوصول لهذا الدور بشكل لم يصل له أي منتخب عربي من قبل حط ضغوط على منتخب المغرب اللي كان بيلعب كل مباراة وكأنها مباراة نهائية بلا ضغوط؟ لا احنا كان لعبوا بالضغط ديما احنا عنا واحد جمهور اللي كيتلب ديما أكثر من اللي نقدروا نديروا اي سي نورمال ملي جينا حتى واحد ما كان كيتمنى نربحوا يمكن ماتش في الجروب ديرناها ابخي بداو كيحلموا ندوزوا للدور الثاني ديرناها دابا دوزنا الكارت فينال دابا كنعرف المغاربه وكنعرف البلاد العرب غيتسمعوا نقدروا نديوها علاش لا دونك بيان سور عندنا ديك بريسيون بحال لا بريسيون بوزيتيف بحال اللي كنقول هذه اللي مهمه خاصها تدفعنا باش ما تكونش عندنا ديك الضغط اللي ما غاديش يخلينا نلعبوا بالروح ديالنا ونديروا شي غلط اللي غنندموا دونك بريسيون ديما كاينه كنحسوا ملي اي بلاد عربي وافريقي هما مورانا والمغاربه دونك باغينا حنا نفرحوهم وهذا الضغط هذا خصو يكون بوزيتيف وهذه الستاف ديالي وانا اللي خصنا نحتوا لهم باش هما ملي كيدخلوا يكونوا مرتاحين ويحتوا لو ماكسيموم السلام وليد شكر الكنزالي قناه حنا بار من تونس وليد المنتخب المغربي عمل انجاز العربي بالمرور لأول مرة للدور الرابع النهائي كمنتخب عربي. أنا حاب نسألك على المدرب العربي، هل يمكن أن يتغير حال المدرب العربي بعد التجربة بتاعك على رأس المنتخب المغربي؟ نشوف مثلا مدربين عربي ياخذوا منتخبات أوروبية، ربما حتى فرق أوروبية. هذا السؤال خصك تسقسي سورتو لي ديريجون عربي بعدا يا أفريكان. علاش؟ des équipes européennes ou la des américaines mais qui jibouche مدرب عربي ou la africain. Hadi c'est une question sociétale, c'est une question de d'éducation, de mœurs, de changer les mentalités. Aujourd'hui, ana kaybani impossible Manchester City ou la Barcelone ou la Paris Saint-Germain jibou مدرب عربي tafrasom. Yqoulou علاش غنجيبو هذا بحال اللي حنا ما قاريين بحال اللي حنا ما كنعرفوش الكره بحال اللي حنا ما قادرينش عليها مي يا توجور دي مومون دون ليستوار كي فون كو بوتيتر ان شاء الله افيك دي ريزولتا اي سا نو دو ترافايي لي زونترينور افريكان اي عرب باش نبينو ملي قادرين مي ديجا هضرنا على لي ستاتستيك ديجا ملي كدير 5 انترينور افريكان دون 5 ايكيب تا بلوس دو بورسانتاج كو ولاد ازو الفراقي Recono des Africains ni des autres. Donc, comme il y avait 5 entraîneurs africains, eh ben forcément, quand le Sénégal est passé et le Maroc, eh ben ça fait 2 entraîneurs africains qui sont passés. Et on avait plus de chances d'avoir un entraîneur africain en quart de finale, puisque les entraîneurs africains étaient tous africains. Et c'est statistique, c'est mathématique. Donc, à un moment donné, Dikachi, c'est comme l'expérience. Mik, droit à l'expérience. Ouais, Omanit. Oma Kemlin, Hana. Sahafi Marabiyin. Ça fait 10 ans que j'entraîne au Maroc, tu vois, ma chef, il n'a pas l'expérience. Ah, il y a même Kench. Ah, je suis un peu plus de Ah, 7 matchs, tu es en quart de finale. Il y a un qui fait. C'est Oussama. Qui fait un peu plus de l'expérience, il y a un peu compétence. Tu es arabe, blanc, de couleur, compétence. Musulman, chrétien, compétence. Si j'ai un message à envoyer dans le monde du travail, dans tout, compétence. Et après, on regarde. Si t'es pas bon, au revoir. Un ami qui l'a dit, il a dit, goûte-l'on. On part sur la Coupe du Monde, contrat jusqu'en 2026, je dis non. 2024, si on va pas en demi-finale minimum, je m'en vais. Stop.
C'est normal, le Maroc doit être en demi-finale. Un entraîneur étranger vient, 3 ans, non, mais attends, il est en train de construire, Sna, quart finale, bravo Alik. Comme ça, on change les mentalités. Alors je sais que ça ne va pas plaire, on est en quart de finale de Coupe du Monde. Pourquoi il dit, mais des fois il faut dire les choses, compétences. Et il y a beaucoup d'entraîneurs africains qui peuvent entraîner en Europe et dans de très bons clubs. Oui. Vous n'avez pas manqué à 9 TV, l'électronique. اولا كنهنيك على هذا يعني هذا الربع النهائي اللي وصلتوا له كما قلتي الحلم بدا كيكبر هذا يعني المغاربه الحمد لله عندهم غايه اننا نمشيو ان شاء الله للدومي فينال ولكن شنو هي الاشياء التي تخيفك في المنتخب البرتغالي خاصه ان حسينا من النبره ديال المدرب البرتغالي ان رونالدو ربما لن يكون في التشكيله لان الطريقه باش كيتكلم المدرب البرتغالي كتعني بانه سيستغني في هذا اللقاء كذلك على رونالدو شنو هي الاشياء التي تخيفك كذلك في المنتخب المغربي باش نحققوا التاهل ان شاء الله التاريخي للنصف النهائي وا pour moi on va tomber des meilleures équipes au monde demain on a un gros challenge ça va être un match très difficile ils ont de la qualité de partout ils ont 2-3 équipes ils ont réussi à changer beaucoup de fois l'effectif Kertiaho ils vont avoir de la fraîcheur Est-ce que Ronaldo va jouer? Moi, en tout cas, en tant que coach, j'espère qu'il ne va pas jouer. Parce que pour moi, c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire. Mais on va pas se concentrer sur le Portugal, ce serait une erreur. Mais eux, ils ont faim, ils veulent rentrer dans l'histoire aussi. Nous aussi, je pense que le stade il sera marocain. C'est une donnée importante pour nous aider. Mais on est capable. Pourquoi pas? Et Fahli Goultier dit que le helm, il faut qu'on soit positif, optimiste, mais ça ne va pas être facile. Il faut avoir l'humilité aujourd'hui de ne pas s'enflammer. On a fait une performance contre l'Espagne. Est-ce qu'on est capable de la refaire 4 jours après? C'est le challenge que je propose à mes joueurs et c'est ce que je leur ai dit. Est-ce que vous êtes capable de refaire ça? Et demain, on aura la réponse. J'espère qu'elle sera positive. Salam alaikum, c'est Walid, c'est Reda. السؤال ديالي سي رضا اول حاجه فيما دزنا في الشارع في قطر ولا ملي كنت في السعوديه كل الناس كيجيو يسلموا علينا جميع البلدان رفعتوا لنا راسنا هذا الشيء قبل ما الندوه الصحفيه اللي كانت ديال البرتغال واحد من الطاقم ديال المنتخب البرتغالي قال لي علاش لابس القميص للمنتخب هذا كيبين بان خايفين منا اللي بغيت نقول لكم انا عارفك انك اخ ديال اللاعبين كاملين ودير رساله مني والجماهير المغربيه بانكم تقاتلوا لان راه سيدنا الله ينصر نخرج الشارع لابس القميص المنتخب والرايه ماشي حاجه طبيعيه بليز بليز ماشي سؤال هادي ماشي سؤال مي هادي رساله حق تقاتلو غير تقاتلو بلا ما تقولها له بغيتكم تقاتلو وتفرحونا وشكرا لك السي رضا الله يحفظك خويا السلام عليكم جلول تويجر من جريده المنتخب غيتقاتلو قلت لك